Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Sumatra Fate of Yandi, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon. Qu'est-ce que ça disait tantôt? Ah, je sais. J'ai trop été lent. Putain. Il y a le bonhomme, puis il y a la pierre précieuse, j'ai pas vu ça. Tu le pognes direct. Non, ok, faut que je le mette là-bas en bas, je pense. C'est liaisage. Oh yes! Pas Gwen qui aurait trouvé ça, Gwen. Bon, les fruits. Yandi! Ouais! Y a quelque chose pour toi? Les visites sont interdites. C'est qui? Est-ce qu'elle peut entrer, patron? T'as 30 secondes, Yandi. Bouge-toi. T'es qui? Ben, va voir. Adirata? Adiratna? Salut Yandi, ça me fait plaisir de te revoir. Mais, qu'est-ce que tu fais sous la pluie? Je t'ai apporté de quoi à déjeuner. Oh ouais? C'est vraiment super sympa, merci, ça me fait plaisir. Tu devrais mieux y retourner avant que ton nouveau patron s'énerve. J'ai adoré ta surprise en tout cas. À plus tard, c'est toujours bon pour demain soir, bien sûr. Allez, à demain, beau gosse. Orc.
Urk. Des baisers. Waouh. Ramène tes fesses, Yandy. Des rotanques, ces fruits correspondent à la description des villageoises. Ils doivent contenir du sang de dragon. Rotang, j'ai déjà pris un des fruits. Une fleur. Une orchidée. Rotang, 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 continuez. Je veux quand tu vas t'en aller. Je n'arriverai jamais à sauter aussi loin. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? L'eau semble plus calme ici. Il doit y avoir un autre moyen que je bon, c'est ça, on revient. Ben. Non? Ok. Rotang, Rotang. Non, c'est pas ça. Rotang, Rotang. Que je vois rien de ça à sélectionner. Hein. Rotang, Rotang, Rotang. Chris, y a rien à ce bord-ci. Un arbre pourri, pousse-le. Cet arbre a l'air pourri et fragile. Et si j'essayais de le faire tomber en poussant? Pousse, 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 pousse. Pousse, pousse, pousse. Félicitations. La Gwen ne l'aurait jamais trouvé, elle. Non, je vois pas la bonne place. À la ferme à Madurin, ia ia oh. Quelle sorte d'animal il y a? Il y a des vaches, il y a des vaches, il y a des vaches à la ferme à Madurin. Un petit bonhomme pour la femme. C'est eux qui veulent du sang, c'est ça? Je vous ai ramené du sang de dragon. Et sans gavis. Ça va leur être très utile pour le tissage. Ils te font toute deux part de leur gratitude. Pas de soucis. Bitches. Une orchidée, tiens. Eux qui n'ont envie de leur donner, moi non plus. Mais... Bon, Qu'est-ce que je fais avec ça, moi, là? Tiens, toi. Est-ce que... Ah! Non, en tout cas, je ne pense pas. Où te l'as trouvée? Elle était cachée dans une grotte derrière une cascade. Tu es vraiment chasseur de trésors, Yandy. Ça ne ressemble à rien de ce que nous avons l'habitude de faire. Elle a l'air d'avoir été fabriquée il y a longtemps. Je sais qu'est-ce que je vais faire avec. T'as une idée qu'est-ce que je vais faire avec cette petite poupée-là? T'as une idée à quel endroit je vais l'insérer?
Je vais le donner au petit Chris. Tiens, veux-tu changer ça? Hey, est-ce que tu me changerais ton briquet contre ça? Hein? Fuck you. Hey, est-ce que tu me changerais ton briquet contre ça? Hein? Oh! Donne-moi ça! Ils sont satisfaits de l'échange. Merci pour le briquet. Bon, ça c'est le campement. Bon. Maintenant. Non, ok. Briquet. Là. Ça pourrait aussi simplement essayer d'entrer. Je ne sais pas si je devrais vraiment. L'ours doit probablement se trouver à l'intérieur. Si j'ai pas d'autre solution, je vais rentrer, mais je. Ça me dit qu'il faut pas rentrer. Bon. C'est une figurine en argile représentant un humain. Je n'ai jamais rien vu de pareil, et moi non plus. C'est une jolie fleur. Une paix légèrement mais solide. Un chiffon de graille sans l'essence. J'ai mis le beurre de fruits de noix sous la bouteille. Je ne vois pas que ça avancerait. Mais moi non plus. Une grande feuille provenant de vraisemblablement d'une sorte de palmier. Une jolie fleur rose. Le briquet que j'ai échangé contre une pierre précieuse. Ça va ça, tu vas d'où? Ah, je l'ai pas fait. Ouais. Ouais, mais je pensais que c'était ça. Mais je pensais le mettre sur. Ouais. Et je pensais le mettre en feu, mais pas tout de suite. Donc, on peut essayer. C'est qu'il faudrait probablement que ça soit un bon temps avant. Je n'ai pas besoin de graisser ça. Bon, ça marche pas. À quoi ça m'avance? C'est pas tes affaires. Far away, far away. As-tu bien quelque chose à faire avec l'éléphant? On va voir Kevin. Peux-tu me rappeler? Non, je peux pas te rappeler. J'ai pas ton numéro de téléphone. Les villageois risquent de me pas apprécier que je prenne le dernier oiseau. Le dernier oiseau? Laisse faire l'oiseau. Un oiseau qui s'envolait un jour de plus dans les rivières. Un oiseau, c'est laid, c'est laid. Mais je connais quelque chose de plus laid. Je crois pas que ça soit intéressant par-ci. Mais ici, il n'y a plus rien, là. Il y a la caisse. On va graisser la caisse, tiens. Le style d'éléphant. Je dois pas mettre de l'eau dans la cascade de la bouteille, rien que plus pur. Pourrais vérifier.
C'est pas un autre, ça. Il a déjà pris un fruit. Le fruit a déjà été pris. Pris. Oh, calice. Ça me dérange pas de me donner conseil, mais va pas voir sur Internet. Je sais que tu le ferais pas, là. Il y a des gens qui allaient voir sur Internet parce qu'ils donnaient des conseils, c'est comme tabarnak. Surtout des fois, c'était impossible qu'ils avaient trouvé. C'est comme, c'est certain que t'as trouvé sur Internet, là. T'as pas pensé à ça tout seul. Ça me prendrait pas des heures, le russement est bien trop faible. Bon, ok. Là, j'ai laissé les autres œufs tranquilles. Cette pauvre tortue doit assez. Ok, puis là. Encore la tortue? Non, ça me dérange pas, j'ai dit. Ça me dérange pas, tu dis, mais je veux même pas, tu vas sur Internet puis tu me dis après. Ça, je dis. Do you understand? Bon, toi l'éléphant. C'est bon ça, que ça va. Que j'ai dit qu'il me tatouait, tabarnak. Donc, c'est des gens qui me donnaient des astuces des fois, peu importe. Puis là, j'étais comme, t'as pas trouvé ça toi-même, certain, là. T'as été voir sur Internet, c'est certain. OK. Ok, je pense que je vais. On va aller ce qu'est la grotte. Ah. Excellent. Bon. Je veux avoir une chance de survie, je vais devoir faire preuve de courage. Ah bon, il fallait attendre.
Une souris? Le trou est trop petit pour que je puisse y glisser un bras. Tant des petits couinements à l'intérieur. Le bonhomme? Ouais, c'est ça, mais... Ah, ils vont rentrer dedans. Ah. Parfait, j'ai enfermé la souris dans la bouteille avant qu'elle n'ait le temps de ressortir. Un génie. Et ça, bout de bois. Tiens! Le bout de bois a l'air bien sec, il pourrait m'être utile, oui. Je pourrais mettre ça, ça, sur ça. Non, ok, laisse faire. Ça, sur ça, non, ok. Bon, comme un champion. Bon, maintenant qu'on a une souris, il va buzzer. Mauvais 103. Ni vu ni connu. J'arrive pas à croire que ça a marché. Et moi non plus. Et moi non plus. Tabarnak, un tapis, resti. Communément appelé un fourmili, non? Je sais pas. Viens pas à t'en approcher. Bon. Ah, il a eu peur. Des coalices. Tapir. La merde de tapir. Oh, non, mais Chris, ramasse-les. Bon. Il y en a des imans, ça va. Tiens. Ils sont des imans de New York, m'a demandé. Je vais en prendre un pour lui prouver que j'en ai trouvé. Qu'est-ce que je peux faire avec les crottes? Le papier peut-être? C'est pas bien d'abord. J'ai trouvé des dingues sauvages, je regarde. Merci Andy. Elle est soulagée que tu aies trouvé un nouvel endroit où ils poussent. Pas de souci. Nous irons récolter ce que nous pourrons et ferons le nécessaire pour en replanter. Bon, parle-moi toi, Star. Hey, salut. Peux-tu me rappeler? Là, il faut que je pogne. J'ai de l'autre, mais je ne l'ai pas vu poser une question au sujet de la tribu. Le fils de nous n'est toujours pas rentré au village. Ramène-le, s'il te plaît. Chris. C'est le petit Chris qui est dans l'arbre, apparemment, là.
Il est probablement dans l'arbre à quelque part. Je suis pas capable de monter dans l'arbre. De plastique, bout de bois. Ah! Non, je viens de comprendre. C'est brûlé, là. Les bois sont bien secs comme il faut. Le papier est bien sec comme il faut. Soit qu'on peut mettre... Parfait, OK. Le chiffon. Non, on n'était pas obligé de mettre le chiffon, mais on va essayer pareil. Le chiffon. Le chiffon. Et voilà! Allez les abeilles! Il n'y a pas beaucoup de fumée. Il faudrait que je trouve un moyen de renforcer les flammes. Tiens. Et voilà! Couchez-vous les abeilles! Faites des dodos! Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Les abeilles sont beaucoup moins agitées. Alors, quand même, je devrais profiter pour prendre du miel, c'est vrai. Allez, tu peux y arriver. T'as une bouteille, là. Remplis-la de miel, mon petit cochon. J'ai réussi à prendre un rayon de miel tout collant. Félicitations. Ça, Gwen, elle aurait pas pensé à ça. Elle aurait hésité à essayer de manger les abeilles une par une. Bon, c'est-à-dire que le miel est bien collant. On va monter. Ah, ce n'est pas un... Bon, ça marche pas. OK. Tiens. Non, j'ai eu du miel, mais... Ah, non. C'est que les ours aiment ça. Ouais, j'ai pas trop d'idées quoi faire maintenant. Ticoulina. Ouais, mais faut que je vois l'intérieur. Moi, je pensais que vu que ça colle, ça aurait pu fonctionner. Mais...
On peut rentrer de nouveau dans la caverne, on sait jamais. Là. Ah, tabarnak, on pouvait sortir. Hé, petit ours. Oh non. Ours, beaucoup d'ours. C'est pas vrai, des ours mâlés. Il faut que je jette. Reste à distance, t'as raison. Je pense que je devrais leur plaire. C'est qui? Oh là, le tabarnak, l'enfant! Viens attends, mon petit Chris! Hey, le petit Chris! Bon, on a tout. Ça, par exemple, c'était pas facile à trouver. C'était marqué continuer, mais je l'avais pas vu. C'est Mowgli. Mowgli qui était avec, pas Bagheera, mais comment ça s'appelle, l'ours? Et hey, attends, petit Chris. Tabarnak. Oh non, monte pas dans. Fuck. C'est pas ce qu'il va mettre. Oh, il a décidé de monter. Oh, il y avait une corde, je l'ai pas vu. Ah, oh, c'est-tu les singes? Dès que la sœur ne veut pas le fruit que le garçon lui propose. Ok, c'est correct. Le garçon m'indique que le singe semble tenir un genre de poupée. Peut-être que le garçon essaie de récupérer sa poupée. Et petit Tamar, c'est que pour toi, tu devrais retourner au campement. Et attends. Petit singe, cours après petit singe. Balou, oui. Ah, oh, tabarnak. Ah, oh, le petit calice. Il a lâché la poupée en plein milieu des horribles plantes. Elle sent si mauvais que je ne peux pas m'en approcher sans avoir un haut de cœur. Poupée là-bas, là-bas, poupée. Non, tu crises de pas y aller. Peut-être que le Orang Rimba pourrait m'aider. Chris. Non, elle va parler à lui, là. Hey, salut. Hey, j'ai retrouvé l'enfant disparu. C'est vrai, fantastique. Où il est? Il est resté pas loin des fleurs puantes. Un singe a pris sa poupée. Moi, eh bien, je ne peux pas dire à sa mère qu'on l'a retrouvé s'il est toujours dans la forêt. Ramène-le au camp, s'il te plaît. D'accord. Bon. Où est... Comment s'appelle le jeune garçon disparu? Ika. C'est une vraie boule de nerfs, il peut être n'importe où. Il est toujours en train de courir partout à faire des bêtises. Je ne m'étonnerais pas qu'il ait été coincé en haut d'un arbre. Mais bon, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer le pire. Je suis sûr que vous finirez par le retrouver. Les anciens évoquent le Huntoudendek, et personnellement, je crois aux légendes. Bon. Où est...
Elle est dans la hutte, là-bas. Elle n'est pas sortie depuis qu'il a disparu. Elle refuse de sortir quand il n'aurait pas été retrouvé. Quand je suis revenu de Jakarta, j'avais ramené un jouet pour les enfants. J'en avais donné un, Eka et une poupée. Il l'amène partout où il va. Et à tel point que sa mère dit qu'elle a deux enfants, Eka et la poupée. Ils sont les Ntupendek, les petits fantômes. Une légende de plusieurs rues vient plus. Nos anciens pensent que les enfants ont été enlevés par des fantômes. Ils pensent que c'est une possibilité. Oui, leurs croyances sont traditionnelles. Je ne crois pas aux fantômes et aux démons, mais certains membres de ma tribu, oui, ça me donne la chair de poule. Bon. Non. Je de la ville. Tu m'en dis plus. Je sais qu'il y a des choses sur eux, mais que j'ai entendu dire, ça pourrait que ce soit des scientifiques ou des chercheurs. Sur quoi cherchent-ils? Aucune idée. Un des hommes de village, Ndjaran, a fait des échanges avec eux. Il n'est pas au village pour l'instant, mais il devrait rentrer sous peu. Je crois qu'il a réussi à négocier un briquet, un objet particulièrement utile pour nous, comme tu peux l'imaginer. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu vois, je lui veux lui parler. Pose une question sur la jungle, pose une question sur des animaux, des plantes. Vous avez posé une question sur des plantes. Lesquelles? La fleur qui sent bizarre. Ce sont des fleurs rouges qui produisent des odeurs pestilentielles et qui poussent près du campement. Ah, imagine que tu parles des fleurs cadavres. Tu veux un conseil? Ne t'en approche pas. Pas de souci. Bon, j'ai besoin de me rapprocher de ces fleurs malodorantes. Est-ce que tu aurais une idée comment je pourrais? Eh bien, oui, mais je ne suis pas sûr qu'elle te plaît. Vas-y. La crotte de tapir. Pardon? De la crotte de tapir mélangée avec des pétales d'une orchidée rose. Tu me fiches de moi? Pas du tout. Une fois le mélange de ces deux ingrédients s'applique dans les narines, ton odorat sera anesthésié. C'est un de nos anciens qui m'a appris ça quand j'étais jeune. Un de nos poulets s'était perdu dans une fleur cadavre et il avait fallu que j'aille le chercher. Et je peux t'assurer que ça avait marché. Bon, ben merci. Une fois que tu auras trouvé les ingrédients, donne-les à Malenka. Elle les mélangera pour toi. Ben merci. Non, mais la menthe sert à quelque chose. Non, non. Tu te les mettrais partout. Ce qu'on ne ferait pas pour survivre. Heureusement, elle est sèche. Tu serais t'es vraiment le style à te le frotter partout, toi. Arrête. Tenez, Kevin m'a dit que vous pouviez utiliser ça pour préparer de l'anganaza. Apporte-lui la fleur. Est-ce que vous pourriez mélanger la crotte avec cette fleur? Merci. Bon. Maintenant que j'ai les langues nasales, les fleurs cadavres n'ont plus qu'à bien se tenir. Ben, je le mets avant ou après? Il se l'est rentré dans le nez comme un grand. Alors ça, l'étrange odeur de la langue masque complètement l'odeur pestilentielle. Poupée. La poupée. Tiens, petit.
Yes, 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 yes. Ok, trois fois c'est assez. Là. Deux fois, une fois ça aurait été assez. Là. Le petit Chris est revenu. Tiens, l'autre est content. Yeah, 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 yeah. Pas trois fois, une fois c'est assez. Bon. Andy, tu l'as retrouvé. Merci, tu viens de rendre une mère un ne peu plus heureuse. Quelques instants plus tard. Andy, je tiens à te remercier pour toute l'aide que tu nous as apportée. Nous avons tenu conseil et nous avons décidé que tu méritais de récupérer ta hache. La hache. Merci Kevin, merci à toi et au tien de m'avoir sauvé la vie et d'avoir partagé vos connaissances sur la jungle avec moi. Je fais que vous m'ayez accordé votre confiance maintenant. Fais attention à toi, Yandy, et pense peut-être à changer de carrière. D'accord, j'espère que tu finiras par retrouver ton ami. Moi aussi. Moi aussi. Vous allez vous faire foutre. Ah, directement, même pas. Il m'a amené là, même pas besoin de tout faire la forêt, tiens, c'est fini. Ya! 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 Enfin! Ça ne vient pas, je pense qu'il n'y a plus de carburant. Putain! Il y a quelqu'un? Ouais. Oba masqué, ouais, ouais. Bon. Bon, j'imagine qu'il ne me reste qu'à essayer d'ouvrir la porte. Bon, félicitations. Crème-pète, il n'y a personne. Les scientifiques doivent être quelque part dans les environs. Voyons si je peux trouver des indices. Je sais que tu es quelque part près d'ici, Random. Je vais te retrouver et on rentrera chez nous. Tiroir. Rien d'utile. Tiroir. Tiroir ne contient rien d'utile, mais des imperméables en plastique. Tiroir. Tiroir rempli de produits de toilette pour femmes. On dirait de l'essence, mais n'en reste pas beaucoup. Garde-les. Les classeurs sont remplis de documents techniques, niveau de précipitation, étude de qualité du sol. C'est quoi ça? Dr. Lake Cubilus, chef de projet biologiste. J'ai le plaisir de diriger cette expédition dans les zones jusqu'ici non étudiées de la forêt humide tropicale de Sumatra. C'est une occasion unique de faire avancer nos recherches et de découvrir de nouvelles espèces faisant la fierté de l'ISIS. Merci de bien vouloir remplir les formulaires, ils sont requis par l'ISIS et constitue un excellent moyen de refaire connaissance. Bonjour, chers collègues. Je travaille pour l'ISIS depuis 12 ans après des études en Australie et j'ai gravi les rangs jusqu'à devenir un des meilleurs botanistes de l'Institut. J'ai hâte que nous puissions commencer nos recherches. La flore de Sumatra est tout simplement fascinante et après les rapports, il est possible que nous découvrions la nouvelle espèce. J'ai obtenu mon doctorat en biologie à Universitas Indonesias en 2016 et depuis je travaille pour l'ISIS et documente les espèces existantes de la jungle de Sumatra. J'ai eu le plaisir de tout vous rencontrer par le passé. Le docteur Cubilius a été mon mentor à l'ISIS et j'ai hâte de pouvoir collaborer avec lui sur le terrain. Je n'ose imaginer que nous allons découvrir et de oui, juste une chose, échec et mat. Alors, comme vous le savez, je m'appelle Diwigunad et je ne sais pas pourquoi ils veulent que j'écrive ça. Je m'occupe de l'informatique et je fais ça plutôt bien. Lake m'a dit qu'il y avait des créatures dangereuses dans le coin, mais il faut bien que quelqu'un répare vos modems. J'ai hâte de vous revoir et d'écraser Ico aux échecs. Ah, si je vois un orang-outan, je pourrais mourir en paix. Oh, fabuleux. Vêtements. Des vêtements. Je fais bien trop chaud pour porter ce genre de merde. Des draps. C'est tant bien des draps. Perméable.
Il n'y a rien dans les poches. Un autre est imperméable. Il n'a rien dans les poches aussi. Un dictaphone. Il n'y a pas de cassette à l'intérieur, mais ce qui m'embête le plus, c'est que les piles ne sont pas celles dont j'ai besoin pour la radio. Magazine, sous les orang-outans. Boîte à outils. Une clé à molette, je vais la garder, elle pourrait m'être utile. Oui, tu pourrais frapper un orang-outan avec. J'ai l'impression que je pourrais dormir plusieurs jours de suite, mais il faut que je retrouve. Les scientifiques et random. Un placard. C'est un petit frigo. Il y a des restes dans le frigo, mais vu que le groupe électrogène ne fonctionne pas, je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'y toucher. À part quelques pots et casseroles, les placards sont vides. Il n'y a rien qui peut se mêler là-dedans. Un évier. Je ne peux rien faire avec ça. Un ordinateur qui ne fonctionne pas. Tiroir. Il n'y a rien. Tiroir du bas. Il y a tout un tas de dossiers, mais je ne comprends rien. Tiens, qu'est-ce que c'est? Indonesia Scientific Institute. Objectif, une équipe composée de 4 membres du département des sciences naturelles doit étudier les étendues de forêts découvertes récemment et documenter la flore et... Cher expédition Dr. Lake, supérieur. Nanana. Je pense que je peux. En tout cas, je te vérifierai après. Je ne vois rien pour l'instant. Il n'y a rien d'autre. Je vais. La minuscule cassette, je vais la prendre. Bon. Ça y est, il est dedans. Voyons voir ce qu'il y a dessus. Elle est vierge. Comme Gwen. Vide. Ou j'aurais dû dire tout le contraire de Gwen. Ils ont dû prendre ce qu'il y avait dedans avant de partir. Une trappe. Il y a un petit clavier numérique. Je dirais que je vais avoir besoin d'un code pour y entrer. Et de toute façon, je pense que je vais d'abord voir rétablir l'électricité. T'as raison. Bon. Oh, le bouchon de carburant du groupe électrogène est serré hyper fort. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Tabarnak. Et où t'as crissé que la molette? Le bouchon de régime s'ouvre facilement. Inutile d'utiliser la clé à molette pour le retirer. Ah, oh, non, ok, je viens de comprendre. Ça a marché, j'ai retiré le bouchon du réservoir du groupe électrogène. Moi, j'ai versé ce qui restait d'essence dans le réservoir. Je n'ai plus qu'à l'allumer. Ça a marché. Je vais saisir le mot de passe. Sais-tu, moi, le mot de passe? Bienvenue à nouveau, dit oui. Veuillez saisir votre mot de passe. On va le voir dans les tiroirs. Ah non, les dossiers, c'est à gauche. Où les dossiers? Bon là. Deux, un, huit, six.
Un. Ça a-tu un rapport avec 6 chiffres? Oui, c'est lui que je venais de garder, il fait deux fois. 9372, je vais regarder ça. De oui. Chiffre. Gounadi, peut-être. Gunadi. Gounadi. Entre là-dedans niveau. Vous n'avez dit ça. Moi que ça serait orang-outan. Orang-outan. Boss. Oh. Il est où le style?
5-6 litres. Le maximum 6. Deux zéro un 86, ça marche pas. Gunadi a pas marché. Je pense que ça se faisait tout seul, la majuscule. On va vérifier de nouveau. Ouais. C'est tout seul. On va essayer qu'il y avait 5 litres. C'est ça, je cassais la télé. Arnaque. Attends. Il y a le mot échec, là. Il aime ça jouer aux échecs.
Ouais, mais je l'ai écrit tantôt. Mais là, je vais-tu te mettre en petite lettre, toi? Ouais, je viens de le faire, ça marche pas. Puis tout à l'heure, je l'ai fait, ça n'a pas marché. À moins que je le mette en petite lettre. Donc c'est. Ce cavalier, en fait. Vous savez, je m'appelle Dewey Gunadi. Pas pourquoi ils veulent que j'écrive ça. Je m'occupe de l'informatique et je fais ça plutôt bien. Blake m'a dit qu'il y avait une créature dangereuse dans le coin. Mais il faut bien que quelqu'un répare votre. Blake, c'est Saint-Lit. Vraiment. Et ça m'en dit, si vous mettez les noms à l'envers, là. D A N Indan. Tu l'écrire I D A N U G. Super, si c'était ça, je cliquais dans la TV.
J'avais d'aller voir sur internet, puis stick. Je suis curieux, c'est quoi? Il y a ce petit magazine-là qui me tanne. Il y a un autant, un orang-outan dessus. Et Humpback, c'est 5. Oh, si tu le vois, qu'est-ce qu'il écrit, toi? C'est ça que je suis en train de garder, justement. C'est quoi le mot qui est écrit là? Bendix? Bendix? C'est un EK. La première lettre, tu vois un P, toi? C'est DEK à la fin. On voit Bendix, ouais. Tabarnak, il a mis le nom du journal. Ah non, ça a pas, non, non, ça a pas marché, ça a pas marché. Excuse, ça a pas rapport. Pas ça. Je pensais que ça avait apparu. C'est moi qui ai appuyé start comme un con. Fiction. Ah, une lettre de trop. DG 2186. DG.
13 en 78. C'est Home Back, mais. Quoi ce mot-là, toi? Star Off. Mais Star Off, c'est deux mots différents. Home Back. Juste avant d'aller voir, Asti. C'est la dernière. C'était ma dernière. J'allais voir sur Internet après. C'est concertant, Asti. Il nous met six lettres, tabarnak, pis c'est pas ça. Bonne chance pour l'excursion. De oui, les autres croient tous savoir mieux que les autres. Mais je pense que tu as raison. Je vais. Bah, je sais. Je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de orang-outans dans cette zone, et j'espère que tu en verras un. Dis-leur, bien qu'ils m'envoient le rapport quand vous rentrerez, ok? Et puis prends une couverture, en plus les nuits sont fraîches. Pense à charger l'appareil photo. Biz. Pense à charger la caméra télécommandée avant de partir. Quand Internet se rétablit, pense à chercher l'info sur Oran Pendek. Ces mots, Oran, autant.
19,83. Ma date de naissance. Fuck you. Plus de roche, papier, ciseaux pour pauvre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Quatre, huit, trois. Quatre, huit, trois, cinq. Quatre chiffres. Ouais, mais l'ordinateur m'a rien donné jusqu'à date, là. Il manque de quoi, là?
Chienasse. Vous avez un bat, puis ça en chat, puis il va me donner un code. Ou... Chris, qui gagne tout le temps, ça, cette page. Je sais même pas ce que je fais. L'ordinateur m'a rien donné en tout.
Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Sumatra, Fate of Yandi, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!